On sait peu de choses sur l'histoire évolutive de la lignée des Sessiliens, qui ont laissé de rares fossiles éparses. Le premier genre Eocaecilia du début du Cénozoïque avait des membres très petits et des yeux très développés. Les origines divergentes des Sessiliens et d'autres amphibiens modernes peuvent aider à expliquer le léger écart entre les dates fossiles pour les origines des amphibiens modernes, qui suggèrent des origines permiennes, et les dates antérieures au Carbonifère, prédites par certaines études d'horloge moléculaire des séquences d'ADN. Les origines et l'histoire évolutive entre les trois principaux groupes d'amphibiens, les Sessiliens, salamandres et grenouilles, sont sujets à débat. Une phylogénie moléculaire faite en 2005 et basée sur les analyses ADN suggère que la première divergence entre ces trois groupes est apparue peu de temps après qu'ils se soient séparés des poissons et même avant que la Pangée ne se sépare. Leur séparation serait donc très ancienne. Il existe aujourd'hui plus de 655 espèces de salamandres dans le monde. La toxine alcaloïde primaire de la salamandre tachetée, la salamandrine, cause des convulsions musculaires et de l'hypertension combinée à de l'hyperventilation chez tous les vertébrés. Ces salamandres peuvent avoir une très longue vie. Un spécimen a vécu plus de 50 ans au musée de Koenig, en Allemagne. Le protée, ou holme, vit dans les eaux souterraines très oxygénées et la première description de cet animal apparaît dans un livre de Valvasor au XVIIe siècle et le décrit comme un bébé de dragon. Les fortes pluies en Slovénie ont tendance à faire sortir les protées de leur habitat souterrain, faisant émerger dans les croyances folkloriques que des dragons vivaient sous les croûtes terrestres. Les premiers amphibiens plus proches des grenouilles que des salamandres étaient des Triadobatrachus. Mais les os du tibia et du fabula ne sont pas reliés, ce qui fait qu'ils ne devaient pas faire de grands bonds comme les grenouilles modernes. Notobatrachus du milieu du Jurassique est plus récent. Le changement évolutif principal de cette espèce est la réduction du corps de l'animal et la perte de la queue. L'évolution des Anuras, le groupe des grenouilles, était définitive dans le Jurassique. Depuis lors, les changements évolutifs du nombre de chromosomes se sont produits environ 20 fois plus rapidement chez les mammifères que chez les grenouilles, ce qui signifie que la spéciation se produit plus rapidement chez les mammifères. Le dossier fossile des Pipidés est plutôt bon, avec 12 espèces éteintes connues. Six d'entre elles sont placées dans le genre Xenopus. Ces grenouilles sont entièrement aquatiques, même si elles peuvent être aperçues sur la terre ferme durant leur période de migration pour trouver des plans d'eau durant la saison sèche. Séparer les anoures en archéo, méso et néobatraciens est un sujet à controverse. Car plus on en apprend sur ces animaux, plus on se rend compte que les caractères choisis pour distinguer ces groupes ne sont pas si spécifiques à chacun. Les néobatraciens sont les plus avancés morphologiquement et sont les plus proches des anoures vivants aujourd'hui. C'est d'ailleurs la raison de leur nom, qui veut littéralement dire « nouvelle grenouille ».
C'est aussi de loin le groupe le plus conséquent, avec plus de 5000 espèces, soit plus de 96% de tous les anours vivants. Les ranoïdes se caractérisent par la fusion de la ceinture pectorale en une seule unité complexe, sans côte, et par l'utilisation d'une prise auxiliaire pour l'ampexus. Les larves ont un seul stigmate sur les côtés gauche et des pièces buccales complexes. Certaines espèces subissent un développement direct. La grenouille tortue se trouve dans des zones semi-arides. Elle est donc adaptée à ces régions particulières pour une grenouille. Elle a développé des pattes courtes et musclées qui l'aident à creuser dans le sable. Mais, contrairement à la plupart des grenouilles, elle creuse en avant comme toutes les tortues. La grenouille à incubation gastrique est considérée comme éteinte parce qu'elle n'a plus été aperçue dans la nature depuis 1981. Et d'intensives recherches ont été faites ces 35 dernières années sans succès. Une grande majorité d'espèces comme le crapaud doré ont vu leur nombre décliner, même dans des environnements apparemment non perturbés. On estime que 67% des 110 espèces d'amphibiens endémiques des tropiques américains ont disparu ou sont en voie de disparition. Et le champignon citride pathogène qui cause la chytridiomycose est une des premières causes de ce désastre. La grenouille de Darwin femelle pond jusqu'à 400 œufs sur une litière de feuilles. Les mâles les gardent pendant environ 3 à 4 semaines jusqu'à ce que les embryons commencent à bouger. Alors, il ingère les œufs et les garde dans un sac vocal. Ces amphibiens sont souvent appelés grenouilles d'art, dues aux indigènes amérindiens qui utilisaient la sécrétion toxique de la peau des dendrobates pour empoisonner la pointe de leurs flèches. Enfin, sur les 170 espèces répertoriées, seulement 4 sont utilisées pour ce but. La toxicité de la peau a évolué en même temps que la coloration vive, peut-être même précédée. La toxicité peut venir d'un changement d'un régime vers les arthropodes riches en alcaloïdes, ce qui s'est probablement produit au moins 4 fois chez les dendrobatidés. La visibilité et la toxicité peuvent être inversement liées car les grenouilles venimeuses polymorphes qui sont moins visibles sont plus toxiques que les espèces les plus brillantes et les plus remarquables. Par conséquent, les populations de proies plus toxiques devraient manifester des signaux moins brillants, ce qui suppose à l'opinion classique selon laquelle une visibilité accrue évolue toujours avec une toxicité accrue. Le conservatisme alimentaire chez les prédateurs pourrait faciliter l'évolution de la coloration d'avertissement, si les prédateurs évitent les nouvelles formes pendant une période suffisamment longue.
En comparaison avec les cératophridés actuels, Belzébufo était probablement un prédateur avec une immense bouche qui devait lui permettre d'avaler de très grosses proies, peut-être même des dinosaures juvéniles. Des études sur la force des mâchoires des grenouilles cornues en Argentine ont été faites et adaptées à la taille des mâchoires du Belzébufo pour connaître leur force. On pense qu'elles peuvent atteindre 2200 newtons. Même si les grenouilles ont des poumons, elles absorbent aussi l'oxygène par leur peau. Et pour cela, celle-ci doit être constamment humide. Mais ceci engendre d'autres problèmes. La peau humide peut être une source pathogène et des bactéries peuvent y prospérer, augmentant les chances d'infection. Pour contrecarrer ça, elles sécrètent des peptides d'acides aminés qui détruisent ces pathogènes. La sécrétion de la glande parotide chez des grenouilles vertes arboricoles contient 25 caséines, un groupe de peptides avec des propriétés antibactériennes et antivirales. Le nom de la grenouille paradoxale vient de son étrange cycle de vie, qui passe d'un très gros têtard à une grenouille adulte de taille standard. Les appels des grenouilles sont uniques suivant les espèces. Elles créent des sons en faisant passer l'air par le larynx dans la gorge. Chez beaucoup d'entre elles, le son est amplifié par un foire. Plusieurs sacs vocaux, des membranes de peau placées sous la gorge qui se distendent durant les appels. Certains sons sont si puissants qu'ils peuvent être entendus par plus d'un kilomètre. Les grenouilles de verre ont un ventre transparent, rendant visibles leurs organes, leurs os et leurs vaisseaux sanguins. On pense qu'elles ont évolué de cette manière pour rendre leur silhouette invisible aux potentiels prédateurs quand elles restent immobiles derrière des larges feuilles des forêts tropicales. Durant le Carbonifère et le Permien, certains tétrapodes ont commencé à évoluer vers les conditions reptiliennes. Certains de ces tétrapodes, comme Leogyrinus, étaient allongés comme des anguilles avec des membres diminués. Mais la plupart ressemblaient tellement aux reptiles qu'il est difficile de distinguer la limite entre amphibiens et reptiles. Leur mode de vie terrestre combiné avec leur besoin de retourner à l'eau pour pondre leur a fait abandonner le stade larvaire de leur cycle de croissance. La vie terrestre fut définitive avec le développement d'œufs amniotiques où des sacs membraneux protègent l'embryon et facilitent les échanges gazeux entre l'œuf et l'atmosphère. Les deux groupes les mieux adaptés à la vie terrestre étaient les sémuriamorphes, des insectivores de taille moyenne, et les diadectomorphes, des herbivores avec de multiples tailles et formes.